Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Béa et de Thomas. Tu sembles bien l'accepter. C'est un homme bien. Tu n'aurais pas dit ça avant. On s'est beaucoup rapprochés. Il sera désormais un parent. Mais pas tant que ça. Un père. Un père? Un père? Non, tu n'es pas mon père. Pierre, réveille-toi, la bague. Désolé, la voilà. Et vous en êtes l'auteur? C'est l'histoire de mes lapins, je l'ai simplement écrite. Papa, regarde, c'est Pierre Lapin. Oh, je déteste cette soudaine popularité. Il a un sale caractère. Quoi? Est-ce que tu es Pierre? Ça dépend, qui veut le savoir? Pour son Pierre, sois sage pour une fois. Tu vois, il s'acharne sur moi. Il s'adressait à nous tous, voyons. Je m'adresse à toi, Pierre, et seulement à toi. Sois sage pour une fois. Pour une fois, pour une fois. Si c'est ça l'opinion qu'ils ont de moi, je serais peut-être mieux sans eux. Que tu regardes, Monsieur Parfait. Tu vas me dénoncer. Je suis pas Monsieur Parfait. Apparemment, je suis Monsieur Imparfait. Fichez le camp. Ouste. Tu es vraiment Pierre Lapin? Ouais. Ton père était mon meilleur ami. On a vécu de bons moments. T'es un lapin pitoyable, tout comme lui. Où sont les lapins? Ils sont tous dans leur terrier, leur petit nid douillet. Regardez-moi, je suis invincible. Revenez ici. Oh oh. Dispersons-nous! Allez, fais-le toi aussi. Amuse-toi. Oh, je sais m'amuser. Oh, oui, comme c'est agréable. Oh, je prends de la vitesse. Je vais de plus en plus vite. À l'aide! À l'aide! Et c'est pour ça que les adultes ne doivent pas se prendre pour des enfants. Mmh.